relation avec Arter, elle se situe à plusieurs niveaux. Elle se situe à un niveau concret, en termes d'échange, de partage d'expériences, de compétences techniques également. Elle passe aussi par une relation qu'on pourrait évoquer en termes de pédagogie, c'est-à-dire qu'il y a aussi un enseignement qui passe par la professionnalisation. Et puis, il y a une autre dimension qui importe essentiellement, c'est une dimension responsable en termes d'engagement et précisément du côté de l'écologie. L'enjeu, c'est d'articuler, dans la spécificité des métiers d'exposition, les contenus et la façon de produire, la façon de faire, d'éco-concevoir. C'est quoi la différence entre le développement durable et l'éco-responsabilité, l'éco-conception, l'économie circulaire? Tous ces éléments-là, c'est important de les avoir comme des champs différents d'action. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent être examinées au travers de différents projets d'exposition. Nous essayons de penser de manière générale, de manière globale. Il y a encore des points sur lesquels nous devons travailler. Comment, par exemple, considérer la place du digital, du numérique en termes d'impact écologique. Donc, c'est un gros travail, mais un travail passionnant et un travail aussi qui rappelle effectivement combien nous sommes enthousiastes pour mener cette action dans les métiers de la culture.